Allô, non, rien me dit. Allô. Oui, Ibrahim, oui. Est-ce que Ah, c'est bon? d'accord. On peut Oui, commencer, ou bien? oui. J'aimerais qu'on partage bien le fichier. Bon, je ne sais pas si le partage est effectif de notre côté. Si on voit le partage, étudiant est connecté. Colonel, gis nga chat bi légui. War nga gis légui chat bi normalement. J'aime bien. Oh. Attends, j'actualise. Parce que j'ai vu trois visionnages en cours diffusés en direct. Il y a quand j'active. Oui, j'ai vu le chat. Oui, j'ai vu le chat. Merci. Avec mon portable d'ailleurs. Ok, c'est bon, ils sont en train de se reconnecter. 15. Ça va, J'ai vu le chat. déjà, mandez-les là si vous entendez. Ouais. En fait, mon qui là, en fait, le document que j'ai partagé là, est-ce que ça va apparaître sur YouTube? Oui, je le vois directement là sur YouTube. Moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas si les étudiants le voient. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez écrire sur le chat, hein? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, monsieur Diouf, oui, il vous entend. Il répond sur le chat qu'il vous entend. Pourquoi je ne vois pas ce qu'ils ont écrit? Bon, quand je suis sur YouTube, c'est-à-dire où est-ce que je dois retrouver le chat sur YouTube? Eh bien, Juste à côté de la vidéo. juste à côté de la vidéo, en bas ou bien à droite ou bien à gauche ou bien À droite, à droite. à droite. Et on a mis top chat. Pourquoi je vois rien à mon niveau? Utilisez votre téléphone, hein? Non, j'utilise ma machine maintenant. Donc, Maintenant, normalement, j'utilise ma machine tout à l'heure. juste à droite, le chat devrait être là-bas. Mais il y a l'écran, il y a aussi, voilà, à ma droite, d'autres vidéos. Hein. Mais sur mon écran, il y a Zoom que j'ai lu en bas à droite. Mais pouvez dérouler pour le moment, après on va y OK. revenir. Ça, je vais suivre le chat. OK, super. Donc, étant donné que, bon, bonjour à toutes et à tous, donc si vous m'entendez. OK. Donc là, je viens juste de partager un document. J'espère que tout le monde voit le document que j'ai partagé. Tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Nyohor Simoudjouf. Donc, je suis le chargé d'appui à la cellule numérique. En principe, ce cours devait être introduit par M. Christian Thiam. Donc, c'est lui qui est l'enseignant concepteur du cours. Voilà, c'est un cours que moi, personnellement, j'ai eu à tutorer. Donc, on a eu à travailler ensemble sur ce cours. Voilà, donc, il devait introduire ça aujourd'hui à 9 h, mais malheureusement, il est au Maroc. Voilà, pour la présentation, bien sûr, de son film Mami Wata. Donc, il sera question tout au long du tutorat. Donc, en ce qui concerne bien sûr le cours de photographie. OK, donc sur le chat, si toutefois il y a bien sûr des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous ou bien à ce que je vais devoir bien sûr vous expliquer, vous pouvez écrire.
tarder, on va peut-être vous expliquer le contenu du cours, mais avant d'abord vous expliquer la cellule, tout en vous souhaitant d'abord la bienvenue à l'UVS. Donc, vous êtes en art graphique et numérique. Sachez qu'en fait, la formation art graphique et numérique se trouve dans le pôle STN, est logée dans le pôle STN. Et dans le pôle STN, vous avez deux cellules. Il y a la cellule numérique, il y a aussi la cellule MAI. Dans la cellule numérique, vous retrouverez des formations comme, bien sûr, art graphique et numérique. Il y a aussi informatique, développement d'applications. Il y a aussi Internet, multimédia. Donc, il y a aussi... Monsieur Diouf, oui? Vous pouvez zoomer un peu l'image là, parce qu'il ne voit pas, c'est un peu petit. OK, je zoome l'image à mon niveau. Juste en bas à droite. Sur YouTube ou bien... Plus, sur... oui. Non, ici, sur votre document, le plus en bas. Ah, sur mon... ah d'accord, sur Zoom, OK, pas de souci. Oui. OK. OK, c'est bon. C'est... Oui, c'est bon. Communication, informatique, développement d'applications. Donc, ce sont ces formations-là qui sont dans la cellule numérique. Donc, ce que vous allez devoir comprendre au niveau du tutorat, au sein bien sûr de la cellule numérique, il y a ce qu'on appelle les modules auto-apprentissage. Il y a aussi les modules. Quand on parle de modules auto-apprentissage, là, ça veut dire qu'en fait, ces modules-là ne modifient pas. Module auto-apprentissage, vous verrez auto-apprentissage juste à côté. Cela veut dire que voilà, ça ne nécessite pas bien sûr le tutorat. Donc vous allez bien sûr consommer ce module-là tout seul. Mais n'empêche qu'en fait, sur ces modules, chaque enseignant concepteur du cours va devoir décliner les orientations, va devoir bien sûr expliquer le contenu. Donc en 4 heures. Et c'est ça. Voilà, parce que fait au niveau. Monsieur Diouf, il y a un souci avec votre micro, il y a du bruit. Il y a du bruit. Donc, vous me laissez fermer la porte du bureau d'abord. Est-ce que c'est bon ou bien il y a toujours le bruit? Sinon, je change les écouteurs. Hein. Il faut changer le bruit parce qu'il y a un bruit de fond. OK. Ou bien vous utilisez juste le haut-parleur de la machine, si c'est bon.
Allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô, est-ce que c'est bon là? Allô, est-ce que c'est bon? Allô, est-ce que c'est bon? Allô, est-ce que c'est bon? Allô? 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 Oui, on vous entend, M. Diouf. Allez-y, c'est bon. Ibrahim, vous m'entendez? Ok, oui. Ok. Mais est-ce que vous voyez toujours le film? Non, le partage est parti. Ah, d'accord. Mais est-ce que le son est bon? Le son, oui, c'est bon? Le son maintenant, c'est nickel, oui. Ok, cool. Donc, je vais devoir... Bon, j'ai utilisé mon téléphone cette fois-ci. Maintenant, je vais partager. Je ne sais pas s'il y aura des échos ou pas. Je dois partager le fichier. OK. J'espère qu'il n'y a pas d'interférence là. Le partage pour le moment, c'est pas venu. Ça marche pas. Non, non. Si votre partage est en pause. Bon, dans tous les cas, je vais devoir continuer. Donc, bon, si ça vient, on pourra. Voilà, donc. Donc, je disais tout à l'heure que ainsi est composée, bien sûr, la cellule. Et là, j'étais sur les modules auto-apprentissage. Je pense bien que je vous ai expliqué. Maintenant, en ce qui concerne, bien sûr, ces modules tutorés, chaque module a un volume, pas le même volume horaire. Donc, chaque module, bien sûr, du coup, vous pouvez avoir un module où le volume tutorat est de 4 heures. Donc, si toutefois le tuteur réalise, bien sûr, ces 4 heures de tutorat, donc c'est fini. Voilà. Donc, ça peut être 12 heures comme ça peut être 20 heures. Voilà. Donc, chaque activité avec, bien sûr, ce que le tuteur doit faire en réalité. Voilà. Donc, vous allez comprendre ainsi que, voilà, donc, le tutorat est réalisé. Maintenant, ça concerne les cours, comme je l'ai dit tantôt, les cours de magistraux, ça concerne les enseignants associés. Donc, ceux qui ont conçu les cours que vous retrouvez sur la plateforme. Maintenant, après les cours des enseignants associés, vous aurez les tutorats. Et comment sont les donc, vous devez d'abord consommer le contenu du cours. Donc, si vous avez terminé, voilà, la consommation du contenu du cours, vous allez essayer de regarder les séances où vous avez des questions. Là, si toutefois le tuteur doit faire la première séquence, donc il y a des parties sur cette première séquence pour mettre, bien sûr, c'est
Monsieur Diouf, on ne vous entend plus. Monsieur Diouf. Allô, M. Diouf, on ne vous reçoit plus. Allô? Oui, je vous entends. OK, bon. Je ne vois plus le... Je vois plus YouTube. Hein. OK, vous pouvez continuer. Vous pouvez repartager votre document. OK. Okay. Oui, c'est bon, allez-y, on va à la partage. Il y a juste un peu bruit de fond, derrière, mais c'est bon, vous pouvez continuer, allez-y. OK, donc je voulais parler que, en ce qui concerne ce cours de photographie, vous avez en premier lieu l'introduction à l'art graphique, donc c'est ce que vous allez devoir faire en 4 heures de temps. Donc pour la première partie du cours, les objectifs d'apprentissage, parce que sachez qu'en fait dans chaque cours il y a ce qu'on appelle les objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire si vous entamez un cours, il faut toujours en premier lieu, c'est-à-dire regarder les objectifs d'apprentissage.
à l'issue bien sûr de la conformation du cours, ce que vous devez avoir, voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc ce que vous devez avoir en réalité comme élément, c'est-à-dire comme ressource dans ce cours-là. Donc les objectifs à atteindre. Donc sur la première séquence du cours, voilà, vous devez comprendre le contexte de l'apparition de l'image. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement remonter l'histoire pour comprendre le contexte de l'apparition, bien sûr, de l'image. Vous devez aussi comprendre, voilà, que l'image est d'abord un moyen de communication. Donc, dans l'histoire, aujourd'hui, peut-être, voilà, on a plusieurs appréhensions de l'image, mais si on remonte l'histoire, c'est-à-dire à la période préhistorique, tout le monde sait que, voilà, nos ancêtres, parfois, ils communiquaient avec nous à travers, bien sûr, ces dessins-là qu'ils ont eu à faire dans les grottes. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous entrez dans les grottes, on retrouve pratiquement des dessins souvent qui datent de la période préhistorique. Donc, ça date de très longtemps. Donc, si on remonte le temps, on sait qu'en fait, l'image a une histoire. Donc, il faut comprendre maintenant le contexte de l'apparition, bien sûr, de cette image-là. Pourquoi nos ancêtres, bien sûr, faisaient ces graffitis-là dans ces grottes? C'est vrai, comme on a dit tout à l'heure, il y a l'aspect communicationnel. Maintenant, comprendre que l'image est d'abord un moyen de communication à travers, bien sûr, ces graffitis-là. Voilà, on sait qu'en fait, il essaie, bien sûr, de faire passer un message. Donc, dans ces 2 heures de temps-là, il sera question, bien sûr, d'expliquer et de comprendre, voilà, ces contextes-là. Et il y a aussi, à côté, ce que vous devez faire en TP. Donc, ce que vous devez faire en TP, c'est lire 3 premières pages voilà, du livre et mettre un paragraphe dans le forum de discussion sur ce que vous avez compris de la lecture. Donc, c'est ce que vous allez devoir faire au niveau de la première partie de l'introduction à l'art graphique. Je répète, vous devez d'abord contextualiser l'apparition de l'image, remonter l'histoire, essayer de comprendre à quelle période voilà, est apparu pour la première fois l'image. Voilà, donc tout le monde sait qu'on a appris l'âge de la pierre taillée. Donc à l'époque, voilà, nos ancêtres utilisaient de la pierre et ils essayaient bien sûr d'en créer des formes. Maintenant, ces formes-là servaient à quoi? Nous tous, on a vu dans les dessins animés, voilà, des animaux qu'on appelle les dinosaures. Est-ce qu'on a vécu leur époque? On n'a pas vécu leur époque. Comment est-ce qu'on a su qu'en fait ces animaux-là ont existé dans le temps? C'est parce qu'on a eu des retours, des images, voilà. Donc des images, voilà, des personnes qui ont cherché à communiquer bien sûr avec nous à travers la pierre, parce qu'ils avaient comme outil à l'époque la pierre, voilà. Donc c'était l'outil qu'ils avaient à disposition. Donc sachez qu'en fait la création de l'image, l'apparition de l'image ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on peut parler voilà, de l'image numérique avec la naissance, bien sûr, de l'ordinateur et de la technologie, mais sachez qu'en fait, à travers, bien sûr, la pierre, voilà, nos ancêtres ont eu à pouvoir voilà, mettre en place, bien sûr, des images. Donc, il sera question de cela, mais il sera aussi question voilà, d'étayer voilà, le fait qu'en fait, cette image-là était d'abord un moyen de communication. Donc, dans ces dans un premier temps, c'est ce que vous allez devoir faire. Maintenant, vous allez aussi pousser la réflexion et essayer, bien sûr, de connaître les principales caractéristiques de l'art plastique médiéval. Voilà, donc c'est important parce que la période médiévale a vraiment marqué, bien sûr, la création artistique. Donc, il est bon, bien sûr, de comprendre ce qui s'est passé voilà, à cette période-là. Donc, parce que il faut pas, dans l'histoire nous a enseigné que la période médiévale, on assiste bien sûr à la guerre, voilà, de la croisade. Donc, il y a aussi l'épidémie de la peste. Donc, en fait, c'est des éléments qui ont marqué un tout petit peu, voilà, la création artistique. Donc, sur cette partie-là, on va vous expliquer. Voilà, dans les détails avec votre tuteur, en réalité, les caractéristiques, bien sûr, de cet art plastique-là dans cette période. Et vous allez aussi comprendre la relation entre l'art et la prospérité. C'est important parce que j'ai énuméré tout à l'heure ce qui caractérise la période médiévale.
il y a l'épidémie de la peste, il y a aussi la guerre. Maintenant, est-ce que en période, parce que c'est des périodes troubles, mais est-ce qu'en période trouble, la déplore? C'est ça la question. Parce qu'on s'est rendu compte que si vous avez consommé le contenu, donc il n'y a pas eu beaucoup de productivité en cette période-là. Donc, est-ce que voilà, cet aspect-là voilà, ne constitue pas un frein, bien sûr, dans la création? Et en second lieu, vous allez comprendre la relation qui existe entre l'art et la prospérité. C'est-à-dire si vous faites, bien sûr, le rapport entre ces deux éléments-là. Donc, l'art et la prospérité. Donc, maintenant, après l'introduction à l'art graphique, vous allez aussi voir les courants. Voilà, les courants, la Renaissance et les courants artistiques. Donc, dans la Renaissance et les courants artistiques, donc, vous allez devoir connaître voilà, les pères de la Renaissance, mais connaître aussi les berceaux de la Renaissance, c'est important. Voilà, de connaître les berceaux de la Renaissance, analyser sur la base des œuvres des grands maîtres, des principes de base de composition qui font leur apparition. Donc, c'est important parce que c'est des techniques. La création artistique, c'est des techniques qu'il faudra forcément voilà, maîtriser et comprendre. Donc, c'est l'occasion, bien sûr, voilà, de partager avec le tuteur sur l'ensemble, bien sûr, de ces techniques-là. Donc, au niveau de... Et ça va être l'occasion de voir les courants qui existent parce que les deux... Ce cours est réparti en 4 heures de temps, la Renaissance et les courants artistiques, et c'est l'occasion, bien sûr, d'étudier et de comprendre les courants artistiques, à savoir l'hyperréalisme, à savoir le futurisme, le surréalisme. Donc, c'est des éléments, peut-être, c'est des courants que vous avez eu à faire en littérature, mais vous verrez qu'en fait, là, ça, c'est dans le domaine de l'art, donc ça, c'est dans le domaine artistique. Donc, au niveau du tutorat, voilà, on va entrer dans les détails. Et après, voilà, donc, la séquence de la Renaissance, vous allez aussi voir le triangle de composition. Donc, le triangle de composition, c'est la disposition, bien sûr, des éléments sur le décor, en forme, bien sûr, de triangle, comme son nom l'indique. Et dans ce triangle de composition-là, voilà, ce cours va vous permettre, bien sûr, de savoir distinguer voilà, ce qui est l'élément positif et l'élément négatif voilà, sur une image. C'est-à-dire l'espace positif et l'espace négatif sur une image. Voilà. Et aussi connaître les éléments constitutifs, bien sûr, du triangle de composition. Donc, au niveau, bien sûr, de la première partie, voilà, du séquence triangle de composition, c'est ce que vous allez devoir faire. Mais aussi comprendre ce qui constitue un élément focal sur une image. Parce que tout le monde sait qu'en fait, l'image parle. Donc, du coup, si vous regardez une image, et en fait, la communication commence dans la conception. Il faut pas oublier ça. Parce qu'il faut, que la personne change, bien sûr, à organiser les éléments de telle sorte que celui qui doit appréhender cette image-là, il saura à la base l'élément qui est mis en exergue. Donc, on prend pas, bien sûr, on fait pas des prises n'importe comment. Donc, si on fait une prise, il y a l'élément essentiel qu'on veut mettre en exergue, qu'on veut faire montre, mais il y a aussi d'autres éléments du décor qui poussent bien sûr celui qui va appréhender cette image-là à se concentrer uniquement sur l'élément essentiel. Donc, du coup, c'est une organisation et la technique qu'on appelle bien sûr le triangle de composition-là, ça fait partie bien sûr de ces organisations-là. Donc, il en existe plusieurs. Donc, ici, on va vous expliquer bien sûr voilà le triangle de composition avec voilà, ce que représente l'espace positif, mais aussi ce que représente l'espace négatif sur une image. Mais au-delà, bien sûr, de ces éléments-là, ce que représente l'élément focal voilà, d'une image. Et à travers cet élément focal-là, on peut aussi voilà, évoquer, bien sûr, les influenceurs. Parce que dans une image, si on cherche, bien sûr, à vulgariser ou bien à mettre en exergue un élément, c'est parce qu'il y a des éléments qui sont autour de cet élément-là qui vous ont permis de le faire. Et ces éléments-là, on les appelle les influenceurs. Donc, voilà. Donc, c'est comme aujourd'hui dans la communication
digital, les gens dans la communication moderne aujourd'hui, les gens qu'on appelle des influenceurs et que les entreprises utilisent pour vulgariser, bien sûr, leur produit. Bon, sur l'image, dans le domaine de l'image, tout ce qui gravite autour, bien sûr, de l'élément focal, voilà, se fait appeler voilà, influenceur. Donc, c'est l'occasion, bien sûr, de voir ces éléments. Voilà, savoir faire une photo en identifiant l'élément focal et les influenceurs. Et ici, c'est la partie pratique du courant, parce que chaque étudiant devra faire une photo sur laquelle il identifie l'espace positif et l'espace négatif. Donc là, c'est carrément pratique. Donc la dernière partie du cours, voilà, sera consacrée, bien sûr, à la pratique. Voilà, donc ici, après avoir bien sûr fait un tout petit peu de la littérature en haut, ça veut évoquer l'essence de l'image, faire l'histoire de l'image, voilà, parler bien sûr des courants artistiques. Ici, il sera question maintenant, voilà, de parler de la composition de l'image. Comment, voilà, une image est composée? Comment faire une bonne composition de l'image? Voilà, en utilisant bien sûr, voilà, la technique triangle de composition. Donc ici, on va demander à l'étudiant de faire une photo sur laquelle, voilà, il va devoir identifier l'espace positif et l'espace négatif de l'image. Et d'ailleurs, on vous explique bien sûr, on vous dit ici que les photos seront partagées sur le forum. Donc c'est pas seulement ça que vous allez devoir faire. Il y a aussi, voilà, donc des recherches que vous allez devoir effectuer sur Internet avec des spécialistes en la matière. Voilà, qui vont devoir bien sûr faire des photos. Maintenant, c'est à vous maintenant de nous expliquer la photo, voilà, de commenter une photo que vous allez choisir sur Internet et de nous dire, voilà, qu'est-ce qui constitue l'élément focal sur cette photo-là et qu'est-ce qui constitue bien sûr l'influenceur sur la photo que vous avez utilisée. Donc, c'est des recherches que vous allez faire sur Internet en utilisant les photos de Viviane Meyer et de Henri Carter. Donc, toujours bien sûr dans ce rubric triangle de composition, vous allez aussi définir les règles de composition. Donc, il y a des règles. Donc c'est l'occasion bien sûr de parler des règles de composition et de savoir, voilà, comment est structurée bien sûr ces compositions-là. Comprendre aussi la règle des tiers. Voilà, c'est important donc, au niveau de la photographie. Et au niveau de cette partie-là aussi, chaque étudiant devra poster sur le forum 3 photos qu'il a prises lui-même. Et chaque photo devra utiliser un des influenceurs suivants, le contraste, la couleur et les lignes convergentes. Donc, à chaque fois que vous faites une prise, ça veut dire que vous devez utiliser, par exemple, vous utilisez le contraste comme influenceur. Ça veut dire qu'il faut que le contraste apparaisse, voilà, dans la vulgarisation, bien sûr, de l'élément que vous voulez mettre en exergue. Donc, vous vous appuyez du contraste pour mettre en exergue l'élément. C'est ce que cela veut dire. Donc, le contraste va être considéré comme influenceur. Il y a aussi la couleur qui va être considérée comme influenceur. Donc, vous vous appuyez de la couleur pour faire apparaître un élément. Donc, là, je vous donne une idée. Par exemple, regardez du noir. Vous avez une couleur de fond qui est noire, carrément noire. Et vous prenez un objet blanc que vous déposez au milieu. Regardez, qu'est-ce qui va apparaître le plus? C'est l'objet blanc que vous avez posé au milieu d'une couleur noire. Et la couleur noire va être l'influenceur. L'objet blanc que vous avez posé sur cette couleur noire va constituer l'élément focal. Donc, c'est ainsi que vous allez devoir faire vos prises. Donc, il faut faire en sorte que, c'est-à-dire sur votre photo, sur la réalisation que vous avez, on va entrer dans les détails dans le tutorat donc de ce cours-là, mais retenez qu'en fait, voilà, l'étudiant devra faire bien sûr des photos où le contraste va être, comment dirais-je, l'influenceur, où la couleur va être l'influenceur, où aussi les lignes convergentes, voilà, vont être. En ce qui concerne les lignes convergentes, peut-être qu'on va vous expliquer. Donc, là, à ce niveau, on va vous expliquer en détail sur le tutorat. Il y a aussi la compréhension, voilà, de la symétrie et ses effets. Parce qu'à chaque fois, ça,
À chaque fois, dans l'église, les gens cherchent souvent la symétrie. La première chose qui est cherchée dans l'église, c'est la symétrie. Donc, tout ce que vous avez eu à le faire, c'est aller chercher l'équidistance, bien sûr, des différents facteurs entre les éléments. Voilà que vous voulez mettre en exergue. Mais c'est important de comprendre ce qu'est la symétrie et aussi ses effets. Comprendre voilà, le triangle de composition voilà, et ses effets, donc depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on était en train de dire. Il y a aussi la compréhension de la balance. Voilà, en termes de composition, comprendre la balance formelle, comprendre la balance informelle. Donc, et dans cette partie-là aussi, l'étudiant va devoir faire une photo avec une balance formelle voilà, et une balance informelle. Donc, cela veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire qu'on vous explique ces techniques-là, vous, à votre niveau, vous allez faire la pratique. Voilà, vous allez devoir faire la pratique. Donc, pour mieux comprendre ce qui a été expliqué. Donc, après, à l'issue, bien sûr, de ces cours, il y aura les 2 heures de temps qui vont clôturer les 12 heures, parce que ce cours-là, il doit être fait en 12 heures de temps. Donc, les 2 heures de temps qui vont clôturer, bien sûr, le tutorat sera réservé, voilà, à la révision générale. Donc, ça va être réservé à la révision générale. Donc, les deux heures de temps qui vont clôturer, bien sûr, le tutorat. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport, bien sûr, à la présentation que je viens juste de faire. Et il faut noter que, voilà, c'est M. Christian Thiam, en principe, qui devait faire ce travail-là avec vous, et il va le faire. Présentement, il est au Maroc. Voilà, c'est lui qui est le réalisateur du film Mami Wata. Donc, si vous n'êtes pas au courant, donc il est au Maroc là présentement. Et il va reprogrammer ce cours-là la semaine prochaine. Donc, je tenais juste à vous partager ce qui vous attend tout au long du tutorat et que vous ayez une idée voilà, de ce qu'est le tutorat, étant donné que vous êtes des étudiants de la B9. Vous venez juste d'arriver, donc il est important qu'on vous explique voilà, le mécanisme du tutorat et de tout ce qui vous attend autour. Donc c'était ça. Si toutefois vous avez aussi des questions, donc vous pouvez écrire sur le chat. Et voilà, Ibrahim peut-être pourra partager. Oui, M. Diouf, juste peut-être les éclairer sur les types de formations, parce qu'il y a certains étudiants qui sont connectés, mais ils ne savent même pas qu'ils sont sur quel type de formation. Peut-être les éclairer là-dessus et leur dire de regarder, pourquoi pas, leur emploi du temps avant de se connecter. OK, voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est important parce que c'est du nouveau. Donc, c'est du nouveau et parfois les étudiants ne sont pas préparés à ça. Donc, je comprends. Et ce que je vais devoir vous dire sur le tutorat, c'est-à-dire si toutefois vous avez vos paramètres de connexion et que vous êtes bien sûr sur la plateforme, donc la première chose bien sûr à vérifier, c'est l'emploi du temps. Donc, c'est l'emploi du temps que vous allez devoir vérifier. Donc, sur l'emploi du temps, vous avez le EC, le nom de l'EC que vous allez devoir faire. Voilà, et l'heure, la date et l'heure. Vous l'avez sur l'emploi du temps. Donc, du coup, si vous prenez l'information à ce niveau, et l'emploi du temps se trouve sur accueil. Bon, je ne sais pas si vous avez fait les cours de prise en main en informatique et prise en main, voilà, à la plateforme. En principe, ça fait partie des cours que vous allez devoir, bon, que vous avez fait. Allez-nous, je ne sais pas si c'est fait pour certains, et en principe, tout le monde a eu à le faire. Maintenant, vous allez comprendre qu'en fait, l'emploi du temps se trouve sur accueil.
Donc, chaque jour, vous devez prendre connaissance, voilà, de cet emploi du temps-là et de savoir le cours que vous allez devoir faire dans la journée. Et le cours que vous allez devoir faire, les cours que vous allez devoir faire toute la semaine. Donc, vous l'avez, c'est programmé sur l'emploi du temps. Voilà. Donc, en AGEN, si vous regardez l'emploi du temps de l'AGEN, par exemple, bon, je dis bien pour les cours magistraux. Voilà, pour les cours magistraux, parce que ça va changer. Voilà, ça va changer. Je dis pour les cours magistraux. Donc, vous verrez que chaque jour, vous avez au moins un cours. Voilà. Parce qu'en fait, c'est les enseignants associés qui déroulent. Mais à partir de la semaine prochaine, donc, c'est vrai qu'on ne va pas finir tous les cours des enseignants associés, mais on va commencer aussi les cours des tuteurs. Voilà, les tuteurs vont devoir démarrer. Mais quand les tuteurs démarrent, vous n'allez pas faire le cours sur le lien, mais vous allez utiliser, voilà, la salle des travaux dirigés. Voilà, donc il y a la salle des travaux dirigés sur la plateforme où vous allez devoir faire les rendez-vous avec les tuteurs à ce niveau-là. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si toutefois ce n'est pas clair aussi, vous pouvez revenir. Monsieur Diouf, je pense que c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. OK, donc, je pense que là, on peut juste peut-être pour rappeler, en fait, voilà, les orientations du cours. Donc, ce cours-là, vous pouvez le résumer en trois parties, hein, parce que c'est l'histoire de l'art. Voilà, ensuite, les courants, les grands courants artistiques. Et enfin, bien sûr, les techniques de composition. Voilà, les techniques de composition de l'image. Donc, vous pouvez résumer le cours en trois parties. Voilà, au niveau de la première partie, où on évoque, bien sûr, voilà, l'introduction à l'art. Donc là, on essaie juste, bien sûr, de convoquer, voilà, en quelque sorte, le contexte de l'apparition de l'image. Voilà. Et dans ce contexte d'apparition de l'image-là, on verra qu'en fait, l'image, voilà, est apparue comme étant un moyen de communication. Mais cette communication-là va aussi évoluer dans le temps. Parce que si on remonte le temps, c'est-à-dire à la période préhistorique, on utilisait de la pierre, on faisait bien sûr des représentations avec sous forme bien sûr de peinture rupestre. Voilà, on utilisait les peintures rupestres pour faire ces représentations-là à l'intérieur bien sûr des grottes. Et vous avez vu qu'en fait, voilà, la représentation va évoluer. Et qu'est-ce qui va évoluer, faire évoluer la représentation? C'est le support. Parce qu'avant, c'était les pierres. Mais aujourd'hui, avec l'apparition, bien sûr, voilà, du papier en Égypte, donc, voilà, automatiquement, on va voir qu'en fait, la représentation va prendre une nouvelle forme. Voilà, avec l'apparition du papier, avec aussi la naissance des couleurs, non seulement, voilà, la représentation va prendre une nouvelle forme, mais aussi la communication va prendre une nouvelle forme. Parce que dans les grottes, on ne pouvait pas transporter, voilà, la communication, mais avec le papier, on peut bien transporter, bien sûr, un papier. Donc, du coup, la communication aussi va prendre une nouvelle forme. Mais au-delà, bien sûr, de l'aspect communicationnel, on va aussi retrouver l'aspect esthétique avec la naissance du papier, parce qu'il y a la naissance aussi des couleurs. Donc, ainsi, voilà, la représentation va évoluer. Aujourd'hui, on parle, bien sûr, du numérique, on parle, voilà, des logiciels de représentation, de dessin assisté par ordinateur, ça n'existait pas, voilà, auparavant. Et aujourd'hui, il y a aussi de nouveaux métiers, voilà, l'infographisme, voilà, ainsi de suite. Donc, des métiers liés, bien sûr, à la,
à la création artistique et au domaine de l'image. Voilà, donc il sera question, bien sûr, de convoquer ça, de faire cet historique-là au niveau de la première partie. Au niveau de la deuxième partie, vous devez, en quelque sorte, bien sûr, visiter les courants artistiques. Voilà, et essayer de comprendre, bien sûr, ces créateurs-là, tels que Da Vinci. Voilà, vous allez beaucoup évoquer Da Vinci. Voilà, donc, et aussi d'autres qui ont eu à marquer, bien sûr, l'histoire de la création artistique, tels que Giotto du Bondone, voilà, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'artistes, Sandro Botticelli, donc c'est des gens que vous allez voir au niveau, bien sûr, de ces courants artistiques-là. Et il sera aussi question de voir les villes, voilà, qui ont été les berceaux de la création artistique, donc à savoir Florence et Venise. Donc, vous verrez ça au niveau, bien sûr, de cette partie-là. Mais vous verrez aussi voilà, la Renaissance, hein, parce que après voilà, la période trouble de l'histoire, on va assister, bien sûr, à la Renaissance juste après. Voilà, donc la période trouble est marquée par les guerres religieuses, mais aussi par la peste, parce qu'il n'y avait pas assez de mécènes pour financer la création artistique. Maintenant, au sorti, bien sûr, de cette période trouble marquée par la période médiévale ou bien le Moyen Âge. OK. Donc l'art va connaître une nouvelle dimension, bien sûr, la période qu'on appelle la Renaissance artistique. Donc, et d'ailleurs, on dit qu'en fait l'art a connu un développement spectaculaire à cette période-là. Voilà, parce que c'est au Moyen Âge, voilà, que personne, c'est-à-dire dans la représentation, on voit les personnages, voilà, exprimer leurs sentiments. Donc, c'est à la Renaissance que la peinture va connaître, complètement se transformer. Voilà, dans la création, on peut lire, voilà, la tristesse à travers les créas, on peut lire la colère, on peut lire l'amour, tous les sentiments humains sont représentés. Donc, à la période, bien sûr, de la Renaissance. Donc, il y a eu ces aspects-là, mais il y a aussi, voilà, des techniques, voilà, de nouvelles techniques marquées par les créations de Leonardo da Vinci, donc que vous connaissez. Il a beaucoup, voilà, révolutionné, bien sûr, la création. Et on dit qu'en fait, c'est l'homme de la Renaissance. Donc, on remarquait des contours dans la représentation, mais dans l'œuvre de Da Vinci, il jouait avec les couleurs en créant une technique de dégradé progressif qui rend ces images réelles, donne plus de douceur en plus. Donc c'est important, bien sûr, de passer en revue l'ensemble de ces artistes et d'essayer de les comprendre et de comprendre leurs œuvres et essayer, bien sûr, de décortiquer ça. Donc, ça, au niveau de cette partie-là, il sera question de cela. Et enfin, vous allez voir voilà, les triangles de composition. Donc, ainsi se résument les trois parties, bien sûr, du cours de photographie qui sera déroulé en 12 heures. S'il n'y a pas de questions, donc, je vous dis merci. Et je vais reprogrammer M. Christian Thiam pour ce cours-là. Qu'il va devoir faire en 4 heures de temps. Et ça va vous permettre, bien sûr, de comprendre davantage. Ibrahim, s'il n'y a pas de questions, on peut lever la séance. C'est bon, monsieur Diouf, c'est bon. Il n'y a plus de questions. Voilà. Merci.